participer, qui se camion, c'est là qui vont faire des rotations en bas de vitesse. Et la cité de femmes en sage, des chauffes besoin, des pèlerins qui vont utiliser la cité de vitesse. Est-ce qu'il y a une préoccupation particulière avec le Le Khalif nous a reçus, accompagnés avec le sous-préfet de Tienaba, que nous remercions, le directeur du contrôle de l'exploitation de l'Afro, Diamédio, et Kanka, le chef de la division régionale, ainsi que Mohamed Amad, coordonnateur de la cellule de communication de la société. Nous avons présenté le dispositif au Khalif, qui les a bien appréciés. Les efforts de pour renforcer la prévention, réparer les forages techniques et étroits. Le dispositif également que nous avons mis en termes de bâches à eau et de camions secondes ont été appréciables. Ont été en satisfaction de la salle générale. Ça a été l'occasion pour nous également de revenir sur l'engagement de l'OFO de réaliser un forage de production compte tenu de la croissance de la ville. Nous avons entamé les procédures de passation des déchets et nous pensons qu'à l'entame de la nouvelle année, nous pourrons faire l'implantation et peut-être avant le mois de juin, juillet 2023, nous pourrons réaliser un forage et un forage de production au bénéfice des populations et des fédérations de la cité. Tay dañ ñëwoon and ak sous-préfet Tienaba ak directeur contrôle exploitation Diamédio bu Okor mom Kanka chef division régionale hydraulique du Thiès ak Mamadou Amadou Diom moy coordonnateur de cellule de communication et de relations publiques. Ñëwoon ziar ci Khalif bi di indi ko nuyu directeur général Alpha Bayla Bey bi amoon yéene ñoom ñu am gàllam bu ko tënk mu yabal bi ñoom ci si Khalif bi am su présenté ci aussi ndax am naa ne yëgoon ngeen semaine yi mu weesu daanaka ñetti forage yu kenn bay tax ma ko waaye bi ñu defee